Bonjour Lonette, aujourd'hui, en journée froide de l'hiver, hein, je suis en train d'équiper mon Akimbo. Rapproche-toi un peu Johnny. Je suis en train d'équiper mon Akimbo de la Squeer 2 de chez Courant. Donc c'est une corde d'accès et de travail SRT qui est sortie il y a maintenant un peu plus d'un an. Et c'est mon choix pour la grimpe en SRT et pour les déplacements. L'avantage de la Courant, c'est que c'est une corde qui a donc un taux d'allongement de 2%. Et elle permet donc, sans trop pomper, même si c'est pas la plus rigide des cordes pour l'accès, elle va permettre donc de faire l'accès et en même temps être une corde de travail qui sera beaucoup plus confortable. Parce que si on veut faire éventuellement des déviations ou quoi que ce soit avec, elle n'est pas hyper rigide. Donc pour la passer dans des anneaux ou pour tout le reste, pour des mousquetifs et tout, donc elle est quand même super... voilà. Elle est vraiment, pour faire du nœud papillon ou quoi que ce soit, elle est vraiment souple. Là, je viens de refaire une remontée sur mon point de dérivation. Et là, l'utilisation, donc là, je l'utilise avec un Akimbo de Rock Exotica. Alors déjà, pour l'Akimbo, la Squeer 2, c'est une des cordes qui est normalisée et qui est validée donc par Rock Exotica pour pouvoir faire tourner l'Akimbo. Et du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que avec l'Akimbo, elle est super fluide. Donc je m'en suis servi en accès et en travaillant en même temps avec trois points de dérivation. Et du coup, c'est un plaisir. Alors j'aurais quand même pensé qu'à 2%, elle aurait pompé un peu plus. Là j'ai eu un accès d'une quinzaine de mètres, et sur cet accès de 15 mètres on pompe pas plus que ça en définitif. Moi ça n'a pas été notable sur 15 mètres, sur 25-30 mètres peut-être, je sais pas, mais on verra ça un peu plus tard. Mais là par contre, en termes de confort d'utilisation pour pouvoir faire les nœuds papillons, pour pouvoir avoir une préhension comme il faut pour tout ce qu'on a à faire avec les connecteurs et tout dans l'arbre, elle ressemble à de la Komora, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et derrière ça, il y a un réconfort d'utilisation parce qu'elle grippe bien à la main, vraiment pas de souci de fluidité parce qu'en plus elle est très fluide. Donc là dans ce houppier là, que du bonheur. On va voir dans d'autres houppiers, mais là c'est que du bonheur. Et si vous êtes nouveau ici, il faudrait sérieusement penser à un moment ou un autre à vous abonner. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'essaie de faire de la super vidéo. Donc, ça fait du bien de retrouver le plancher des vaches. Donc je termine mon boulot d'aujourd'hui avec le combo Akimbo Squeer 2. Et ça a été un plaisir. Elle est vraiment agréable à travailler. Elle grippe bien dans les gants. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la progression, on progresse avec une corde confortable, et d'un autre côté, on pompe pas tant que ça. Là, sur une ascension de 15 mètres, c'était bien, quoi. C'était bien. Là, c'est que du bonheur. Donc, champion Courant, parce que pour une corde à 2%, honnêtement, c'est super. C'est super. Donc, j'aimais déjà Courant, vous le savez, c'est pas un secret. Mais la Squeer 2, c'est adopté. C'est bon.